Quelqu'un nous a dit que l'endroit à la mode est le Hive. Oui, beaucoup de cadres de la ville haute fréquentent cet endroit. Le Hive est un club privé, réservé aux membres d'Hawaï. Sans la carte, on n'entre pas. Ça veut dire que je dois payer pour entrer dans ce bouge. On a une réputation. On peut pas laisser entrer n'importe qui. Ouais, seulement n'importe qui a de l'argent. Tu payes pas, t'entres pas. Alors décide-toi. Tiens, voilà l'argent. Merci, monsieur. Et voilà votre carte de membre. Bienvenue au Hive. Je suis sûr que vous vous plairez ici. Pour vous, c'est ça? Un phénix d'or. Ah, monsieur a du goût. C'est un choix de connaisseur. Tenez. Un poison préféré? Je voudrais voir Tong. Tout le monde veut voir Tong. Allez voir dans le salon VIP à l'étage. C'est vous le barman? Ouais. On peut dire ça. Bon. Je veux voir le patron. Ah ouais? Ah, ça tombe mal, Guaylo. Monsieur Tang Si-Hong ne reçoit pas. Écoutez, j'ai pas traversé la moitié du monde pour qu'on me dise non. Alors vous allez être gentil et me dire où il est. Sinon quoi? Vous allez détruire quelques murs avec vos jolies petites augmentations? Le Hive, ça veut dire la ruche, vous savez. Et dans une ruche, il y a plein d'abeilles ouvrières prêtes à tout pour se défendre. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Monsieur Tong pourrait faire pour vous? Je cherche quelqu'un. Un expert en cybersécurité du nom d'Harry Van Bruggen. Vous connaissez? Hein, ça me dit rien. Il a fait quoi? Adultère? Escroquerie? Sa mission a mal tourné, et maintenant son employeur est à ses trousses. Mais vous le saviez déjà, parce qu'un homme comme Monsieur Tong n'engage pas des imbéciles. Et tout le monde sait que les fuyards viennent d'abord ici pour obtenir de l'aide. Alors assez joué comme ça, et amenez-moi voir Tong. Vous vous y prenez très mal. Vous me faites perdre mon temps. Van Bruggen, c'est un petit minable. Tong sait qui il est, mais il s'en fiche. Il a des choses plus importantes à voir.
Vous espérez me faire croire ça? Les petits minables n'attirent pas autant d'attention. Leurs apparts ne sont pas surveillés par des soldats de Belltower. Quelqu'un d'important lui en veut beaucoup. Et Tong ne peut pas faire l'impasse sur ce genre d'événement, dans sa propre ville. Vous êtes pas si stupide, en fait. Ouais. Tong surveille ça comme le lait sur le feu, c'est normal. Il est malin. Van Bruggen n'est pas juste un pirate. Non, non. Il est formé au contre-espionnage. Il dispose de faux passeports, de comptes en banque et de refuges partout dans le monde. Il a déjà quitté cette île, alors je vous garantis que vous n'avez aucune chance de le retrouver. C'est un vrai avantage d'être un étranger. Je dispose de soutien et de renforts que personne ne connaît, plus mes ressources personnelles. Votre patron peut en profiter, seulement si vous me laissez le voir. Vous avez aucun intérêt à nos yeux, Xiao Biesan. Ouais, vous m'avez vraiment cru? Van Bruggen n'est pas un espion. Il nous a supplié de l'aider. Alors on a eu pitié et on a accepté de lui trouver une planque. Vous êtes venu sans rien, mais j'ai quand même pris la peine de vous renseigner. En échange, vous persistez obstinément à me contrarier. Vous feriez mieux de vous casser, parce que sinon... N'importe quoi pour que je parte, pas vrai? Tong ne pourra pas garder Van Bruggen très longtemps. Pas avec le genre de moyens que ses ennemis sont prêts à déployer. Il sera mort dans 7 jours. Et Tong aussi. Sauf si quelqu'un, moi par exemple, fait diversion, et vite. La seule chose qui puisse tuer Tong, c'est vos discours qui veulent jamais s'arrêter. Il n'est pas impossible qu'il meure d'ennui. Dégagez le plancher, avant que je commence à trop m'ennuyer moi aussi. Un poison préféré? Tong n'était pas en haut. Ah non, vous avez regardé dans le salon VIP et il n'y était pas. Non, et j'ai vraiment besoin de lui parler. Où est-il? Eh, pour voir Tong, il faut d'abord avoir fait ses preuves. Et aujourd'hui, c'est votre jour de chance, là, Hawaii. Parce que je peux vous aider. Ah bon? Et combien est-ce que cette aide va me coûter? Ça dépend de vous, l'ami. J'ai un problème qui a besoin d'une solution. L'ennui, c'est que mes gars habituels sont tous occupés. Le problème a à voir avec une femme. Elle doit de l'argent à Tong. Et elle met de la mauvaise volonté à payer. C'est un sale boulot, mais ça peut vous aider à voir Tong. Alors ça vous tente? Annoncez la couleur. J'écoute. Ravi de l'entendre. Cette femme, Jaya, elle est courtière en bourse. Il y a beaucoup de concurrence dans ce secteur à Incha, et sans les compétences qu'il faut... Ses affaires ne marchaient pas très bien, alors on lui a donné un petit coup de main. En fait, une jolie petite puce évoluée d'amplification relationnelle pour qu'elle réponde mieux aux attentes de ses clients. Et maintenant, elle doit nous rembourser. Mais elle refuse. Donc en gros, je dois la convaincre de vous rembourser? Ouais, mais c'est pas aussi simple. La fille s'est mise au vert, et elle croit qu'on la retrouvera pas. Mais elle a emporté son téléphone et son ordinateur pour s'occuper de son affaire. Pas très malin. J'imagine que vous êtes équipé pour les localiser. Nous? Non. Mais on connaît quelqu'un qui a tout ce qu'il faut. Et c'est là que vous intervenez. Belltower a installé un réseau de surveillance qui couvre toute la ville. Une série d'antennes relais. Je veux que vous les piratiez. 3 relais devraient suffire à entrer dans la base de données et à localiser Jaya par triangulation. Puis je récupère votre argent. Exactement. Le premier relais est sur le toit d'un immeuble de 4 niveaux dans le quartier de Yuzhou. J'imagine que vous avez des modules InfoLink et Wayfinder parmi vos jolies augmentations. Je vous envoie les coordonnées et je vous recontacte dès que vous aurez piraté l'antenne.
Au boulot, là, Hawaii. Vous avez trouvé le premier relais. Piratez-le et désactivez ses sécurités. Accès autorisé. Ça fait un relais, encore deux, l'ami.
Accès autorisé. Bon, ça en fait deux. Plus qu'un. Accès autorisé. Excellent. Je lance la triangulation tout de suite. J'aurai l'adresse très vite. Et voilà, je l'ai. Jaya se planque dans un immeuble résidentiel appelé le Hengsha Court Gardens, dans le quartier de Yuzhou. Je vous envoie l'adresse exacte. Allez-y et récupérez notre argent. Qui êtes-vous? Encore un voyou de Tong? Eh bien, repartez! Je lui ai dit que je paierais pas un sou de plus! Écoutez, je sais que c'est pas facile pour vous, et je suis pas fier de devoir faire ça. Mais les gens de Tong veulent leur argent. Oh, pauvre chou! On a des scrupules à faire le sale boulot, et je dois avoir de la peine pour vous. Revenez à la réalité! Vous êtes ici pour me voler de l'argent! Voler? Ils vous ont fourni l'augmentation qu'il vous fallait, et ils veulent être payés. On n'est peut-être pas dans le caritatif, mais de là à appeler ça voler... Ce que vous êtes naïf. Avec Tong, c'est pas acheter maintenant, payer plus tard, mais plutôt acheter maintenant, payer pour toujours. Écoutez,
Je viens de m'installer comme courtière. La plupart de mes concurrents viennent de familles riches, et ils sont payés des augmentations qui leur confèrent un vrai avantage. Jamais je n'aurais pu me la payer en l'achetant en dehors du marché noir. Et donc vous avez passé un accord avec un syndicat du crime? J'ai pas tout sacrifié à mes études pour me retrouver sans rien. Quand j'ai pu mettre assez d'argent de côté, j'ai proposé de rembourser. Mais non! Ils veulent une part de mes gains mensuels. Ils disent que ça leur revient de droit puisque c'est leur augmentation qui me fait gagner cet argent. Votre petite histoire touchante ne change rien au problème. Je ne peux pas repartir sans cet argent. Alors vous allez devoir le prendre par la force. Parce que je vous le donnerai pas. J'ai été claire. Je refuse de payer. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouviez pas travailler sans cette augmentation. Vous n'auriez pas eu tous ces ennuis si vous aviez respecté les règles. Respecter les règles? Je vais vous raconter une petite histoire sur le respect des règles. Je viens d'un milieu défavorisé. Mon père, ma mère, mes deux sœurs et mes trois frères. Aucun n'a rien réussi. Quand j'ai voulu m'en sortir, que j'ai travaillé dur à l'école, ils m'ont tous dit que je perdais mon temps. Je suis rentrée dans une école de commerce et ils m'ont dit que je perdais mon temps. Que je ne serais jamais à la hauteur des gosses de riches, avec leurs profs particuliers et leurs prépas. Et vous avez réussi? Oui. J'ai fini major de ma promo. Et personne ne m'a aidé ni fait de cadeau. Je le dois qu'à mon sang, ma sueur et mes larmes. Et qu'est-ce que mes camarades de promo ont fait? Ils ont triché. Ils ont acheté leur réussite. Et qu'est-ce que ma famille a dit? Que j'avais perdu mon temps. Je devais baisser les bras, après tous les efforts que j'avais faits? Non. Jamais. Comment êtes-vous entré en contact avec Tang? Comme la plupart des gens. J'étais blessée et un de ses sbires a été attiré par l'odeur du sang. Ils sont venus me voir et ils ont proposé de m'aider. Je savais bien que c'était une mauvaise idée. Mais j'étais tellement en colère que je suis passée outre. Combien est-ce qu'il vous réclame? 250 crédits par mois. Ça a l'air de rien, mais avec le temps, ça fait une somme. Disons qu'avec moi, ils ont fait une très bonne affaire. Et je ne suis pas leur seule cliente. Écoutez-moi, je peux peut-être parler à un des hommes de Tang, pour essayer de vous sortir de là. Vraiment, vous feriez ça? Et moi qui vous prenais pour une brute décérébrée? Je peux pas vous dire à quel point ça changerait ma vie. Attendez avant de me remercier. Je ne sais pas si ça marchera. Mais je vais essayer.